Yo tout le monde, c'est Jack Boubé et on se retrouve sur du SmackDown et Count the Pain. On va continuer la suite de nos aventures et qu'on est au 20e épisode de ce jeu et qu'on va aller au pay-per-view Armageddon. Alors on va aller à Armageddon et on va y faire directement le match. Non, on va y laisser les cinématiques et puis on va aller faire directement le match. Allez, on saute tout de suite dans le match. Alors Armageddon, on arrive à Armageddon, Raw et SmackDown qui étaient ensemble, un peu plus heureux qui étaient ensemble, Armageddon, donc on voit Goldberg, normalement c'est pas des cinématiques comme ça qu'on a eu. Rock Van Dam qui nous a fait des pièges, il fait une segurry, on a eu qu'un match contre lui, hein. Ouais, bien sûr, coup de l'accordage comme ça, évidemment. Fait. Alors, Mr. Monday Night, qui veut le titre de champion du monde poids lourd, je pense. Et ben voilà, c'est tout. Et puis, on va aller faire ce match qui est magnifique, ce stade d'Armageddon. À l'époque, il y a eu un match, si je me trompe pas, Shawn Michaels et Triple H dans un street fight dans ce pay-per-view là, si je me trompe pas. Attention, il y a une cinématique. Ouh! Les commentateurs américains Jim Ross et Jerry the King Lawler. Donc un match à 3. J'ai pas vu les matchs qu'il y avait, mais on s'en fout. On verra bien par nous-mêmes, par moi-même. Alors, on va aller faire directement le match puisqu'on a 3 matchs. Je pense que ce sera une vidéo comme ça long. Alors, Matt Hardy met son titre Cruiserweight en jeu contre Randy Orton et Shelton Benjamin. Et Matt Hardy garde son titre. Et puis le titre US est en jeu. Et il y a Eddie Guerrero, champion des États-Unis, Rey Mysterio, Ric Flair et John Cena. Qui va gagner? Eddie Guerrero garde son titre. Et puis nous, ben, on va aller faire ce match directement. Qu'est-ce que on va faire comme match? Je sais pas du tout. On va laisser tel quel. J'ai pas regardé très bien les matchs. J'ai vite passé voilà, premier match, ok. Tiens, prends-toi ça, ok. Je sais pas ce que c'est comme match. Alors prends-toi choc stem du ventre, on va pas attendre, hein. On va éviter de prendre les objets, puisqu'ils nous ont pas dit quel match c'est. De toute façon, il va se faire laminer Rock Van Dam va vraiment se faire détruire par Goldberg. T'as vraiment pas de chance, hein, Rock Van Dam. Tiens. Et on va faire le spear directement. Et le spear, le premier spear de Goldberg dans cette vidéo. Tiens, allez, le coup de genou. Et il est déjà en jaune. Il est déjà en jaune, donc il est déjà mal. Il est déjà très mal. Allez, hop. Tiens, on va te prendre comme ça, direct, on n'attend pas. Allez, boum. Je pense que ces 3 matchs vont vite être passés, hein. Je pense qu'il y aura plus que 3 matchs, je sais pas pourquoi. Allez, hop, voilà, prends-le là. Et tiens, on va te faire mal et on va te faire le spear directement, hein. On va pas attendre, hein. Voilà, le spear directement. Et attention, le spear de Goldberg en préparation et le spear de Goldberg. Qui l'a fait bien mal, ce magnifique stade de Armageddon. Et voilà, et on va aller faire directement le tombé. 1, 2, et non, simplement 2. Rock Van Dam qui résiste, il résiste bien, mais il va pas résister longtemps, hein, Rock Van Dam. Allez, hop, ouais, Goldberg, évidemment. Hop, et boum, voilà. Hop, on va faire le chokeslam du ventre, qu'on n'a pas encore fait une seule fois. Chokeslam du ventre, et chokeslam du ventre. Ouh, il se fait devenir. Ah bah on va te faire encore une fois chokeslam du ventre, hein. On va pas tergiverser là, hein. Tiens, prends-toi ça. Et on va te faire une troisième fois, puisque tu veux pas comprendre, tu veux pas perdre. Alors tiens, on va te faire une troisième fois, et boum, voilà. Tiens. Ok, on va le mettre au coin. Non, on va pas mettre au coin. Allez, tiens, on lui fait mal. Ok. On va lui mettre là. Et le... Non, pas le spear. Ouh, il voulait pas. Tiens, non. Tu vas venir rester. Tu vas rester là. Comme ça. Tu vois, bah ça va bien. T'es tout prêt. Voilà, et on va faire de nouveau le spear de la deuxième fois, évidemment, même pas 2 minutes, on est en train de l'éclater, et il va prendre le spear de Goldberg. Et Goldberg, il est fou, il est enragé. Beau,
battre le premier match normal, je pense. C'est un match normal. Allez, 1, 2 et 3. Premier match gagné. Premier match gagné. Et on verra le prochain match. Et là, c'est un match Steel Cage. Oulalalala. Oh là là, Rock Van Damme, il est déjà en rouge. Il est déjà mal positionné. Hein, déjà très très mal. Donc, tiens, le Steel Cage. Et prends-toi ça. Bon, bah, on peut attendre. Hein. On va sortir direct. Hein. Ciao, bon Rock Van Damme. T'es déjà mal parti. Et même pas une minute, on a gagné ce match. Allez, on verra la suite au prochain numéro. Non, je rigole. Et voilà, Goldberg qui a gagné ce titre. Qui conserve le titre depuis très très longtemps. Et voilà, Goldberg, tout content, facile, hein, et on se retrouve, voilà, facilement. Voilà, alors, on a gagné ce match assez très facilement, donc voilà, on reçoit encore de l'argent, j'ai toujours pas utilisé l'argent, donc on va aller à Monday Night Raw. Allez, on se retrouve à Monday Night Raw. Bon, là, on est de retour à Monday Night Raw, pas de cinématique, rien. Bon, on va aller voir Triple H, champion intercontinental, le voleur de titres, là. Alors, Triple H, ouais, d'accord. Hey, ouh, Scott Steiner et Triple H qui se parlent entre eux. Et Big Boss, Big Papa Pom, d'accord. La Big Papa Pom, qu'est-ce qu'il veut? Un pic papa pomme, d'accord, game. D'accord, compétition. Il parle de compétition. Je sens que ça va être le truc du bras de fer. Je sais pas pourquoi. Ok, il nous regarde. Ryukun, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Le bras de fer ou bien le... Ah, il me semble qu'on avait déjà fait une fois ça. Ils vont faire les poses plastiques en gros quoi. Entre Pic Papa Pomme et puis Triple H, voilà exactement. Ils ont fait ça une fois à la WWE et puis ils ont remis ça dans le jeu qui est très intéressant avec Goldberg à côté évidemment. Goldberg qui fait le présentateur. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Triple H? On dirait qu'il est en train de faire un truc débile. Il fait... Oh, je suis... D'accord, ok. Big Papa Pomme qui arrive. Il a des plus gros bras que toi, Triple H, hein, quand même. Hein. T'as un bon corps, mais bon, voilà. Tu veux me laisser faire ou bien... Ils se font la bagarre. Non, mais lol. Non, finish, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, second... D'accord. Ah oui, il doit faire le côté comme Hulk Hogan, là. Ouais, je me souviens. Allez, tiens. Et la pose plastique. Pic papa pom, c'est facile pour lui. Tiens, voilà. Oui. Là, il peut rien faire, Triple H. Là, dans ce coup-là, il est plus fort. Pic papa pom. Ouf. Non, finish, d'accord. Oh, bagarre, là. On se calme. Pose musculaire, d'accord. Ok. Il se prépare. Oh, il se chauffe. Triple H. Et il fait sa cuissette, là. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Voilà. Boum. Ouais. Non. Pic Papa Pomme est toujours autant plus fort que toi, là. D'accord. Non, finish, d'accord. Ils sont en train de... Ok, d'accord. Ils se bagarrent entre eux. Puis je vais dire que maintenant Triple H il a mal fait parce que voilà. Il a volé mon titre alors je sens que je vais me faire Steiner. Oh il est pas content. Oh il est pas content. In the game. Oh 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 oh. Ouh on s'est pris un coup de poing de Triple H. Quel enfoiré. Ouh quel enculé de Triple H là. Ouais effectivement il était pas content. Bon. Alors faire ce match qui on va de nouveau le Big Show. Oh maintenant de peu. Je n'ai que ce Triple H qui garde son titre. Stacy qui prend Trish Stratus gagne contre Stacy. Et on va faire de nouveau un match contre contre le Big Show, j'allais dire Goldberg, génial. Allez, on va dans le match. Et on
est dans le match et le coup de la corde à linge directement qu'on a pu cette fois faire le coup de la corde à linge. Ouais, tout à fait, tu veux faire tomber directement Goldberg. T'es fou ou bien contre le Big Show là? Non, tiens, merci. Allez, on le prend direct, on n'attend pas. Et le coup de genou. Et on le prend là. Et prise de judo. Et ben voilà, on s'est fait humilier par Triple H. Bon, on n'a pas été en direct, donc ça a été pas mal. Le public n'a rien vu, donc on dira rien. Quoique, sûrement le public a vu. En tout cas, vous avez vu. Hein, alors, on ne rigole pas. Allez, tac, on le prend. Et le sous-passement arrière. Bien joué, ça. Goldberg, il est chaud, le plus chaud de tous les shows. Et par-dessus la troisième corde, ben... faut arrêter avec ça, évidemment, hein, faut arrêter avec ça, hein. Donc voilà, tiens, ici, prends-toi ça, et on le fait mal, boum, merci, et on va sauter, est-ce qu'il nous esquive? Non, c'est bon, il nous esquive pas, tant mieux, et là, oui, il va nous esquiver, là, bien sûr, merci, tiens, oh, il esquive, oh, il voulait faire la témier. Allez, hop, on le prend, tiens, hop, le coup de genou, et le coup de genou, tiens, prends-toi ça, hop, on le reprend, choc-sème du ventre, on va pas attendre, encore une fois, c'est sans arrêt les mêmes prises, ça m'est un petit peu chiant, mais bon, je peux rien faire, donc voilà, oh, ici, tiens, et on se prépare pour le spear de Goldberg, spear de Goldberg. Et voilà, il se fait bien mal. On va essayer de faire le tomber, mais je pense pas que ce sera suffisant. Ok, allez, le tomber. Un, non, simplement un. Allez, tiens, ouh, esquive de Big Show. Tiens, non, là, moi ça, voilà. Et encore une fois, une esquive. Tiens, merci. Allez, on le prend. Le choc-sème du ventre, évidemment. Tiens. On lui, vraiment, lui fait mal, hein. Vraiment, on est méchant, hein. Méchant de tous les méchants, hein. Non, on rigole. On faut toujours rigoler, hein. Il faut toujours... Ouh, le chien, le chien. Ouh, la témie. Attention, il va faire... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, le Bigfoot. Le Bigfoot de Big Show. Et tiens, écrasement. Écrasement de... De Goldberg, génial, j'arrive plus à parler. Allez, on le reprend, tac, on le lève, et... Boum, voilà. Et on va lui faire un choc-sum du ventre, et puis... Oh, le chair-shot, ça fait bien mal. Allez, tiens. Tiens, et le... de Goldberg assez méchamment qui a pas aimé ce coup dans le parti du Shero Shot. Allez, on le prend, hop, merci, et ben on va lui reprendre et lui faire mal, évidemment, hein. Ça fait, c'est le but du jeu, hein. Allez, hop, tac, oh, esquive, oh, elle a été mis. Attention, le Big Show, qu'est-ce qu'il va nous faire? Attention, oh, il nous étrangle, nous a étranglé. Tiens, ouf. Et de nouveau le spear, hein, on va pas attendre, hein, directement, hein. Je voulais pas faire un jackhammer, j'avais pas envie, donc le spear, de nouveau le spear de Goldberg, qu'il y a pas la grosse voix de Goldberg, donc voilà. Alors le tombé, et je pense qu'on aura fini ce match. Voilà, tombé, 1 2. Et 3, voilà. Et ça fait 2-3. Voilà, on est de retour. The People's Champ, The Rock. Ouh, The People's Acclama, d'accord. The Champion. Donc il veut un match de championnat, en gros. J'ai vite passé parce que j'ai pas envie d'avoir un strike. Donc voilà. On a perdu 1-2-1. D'accord, ok. Puis on va aller faire le donné Monday Night Raw. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on est de retour. Ouh, Jim Ross. Une bataille royale, match terminé, numéro 1 continue, d'accord. Il y aura une bataille royale, Goldberg Impact date. Ah, le Royal Rumble, oui, c'est juste qu'on arrive au Royal Rumble. Donc on aura bientôt fini le jeu. Donc il nous reste plus que le Royal Rumble et WrestleMania. Donc
On va voir ce qu'on va faire, évidemment, hein, c'est clair. Hein. Donc, on a apparemment une bataille royale, comme j'ai compris. 6 semaines de bataille royale, je suis dedans en plus. Alors, il y a Goldberg, Brock Lesnar, Rob Van Dam, The Rock, Big Show et Kevin Nash, d'accord. Booker T contre Chris Jericho, c'est qui gagne, Chris Jericho qui gagne, Bobby Ray contre Kane, Kane gagne. Donc, on les a tous vus, les entrées, je crois, même Rock Van Dam on a vu, il me semble, ouais. Ok, bon bah on va aller faire cette bataille royale et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on est de retour contre Mister, tous les grands catcheurs. Il y a Big Show, The Rock, il y a des grands, il y a des... Oh, attention, Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est le plus dangereux de tous. Et on va l'esquiver, évidemment. Hein. Tiens, on va par là, toi. Tiens, boum, c'est une bataille royale. Donc, je crois qu'on doit faire le tomber sur les catcheurs. Donc, merci. Allez, tiens. Et prends-toi ça. Hop, boum. Allez, The Rock, t'es mon ennemi numéro 1 que tu m'as... humilié. Allez, ouh, une esquive où Rock Van Dam qui se fait maltraiter. Attention, un esquive de The Rock, Big Show, qu'est-ce qui se passe? Ouh, une HRO shot sur le Big Show, oh, pour une fois que c'est pas moi. Et attention, le coup du peuple qui fait vraiment mal. Ou attention, le Big Foot de Big Show sur Kevin Nash, les deux géants qui se combattent. Ou attention, tiens, on va par là. Hop, on va lui faire mal. Oh, attention, il esquive. Tiens, aussi. Prends-toi ça. Allez, hop. Tiens, voilà. On lui fait mal, The Rock. Je crois qu'il faut faire les tomber, il me semble, pour faire cette bataille royale. Si je veux pas dire de conneries, mais... Tiens. Viens par là. Ouh. Allez, viens là. Hop. Tiens, voilà. Hop, on lui fait une prise qui fait mal à The Rock. On est tout là-bas au fond. Je sais que vous voyez beaucoup de choses. Oh, attention, le F5. Le F5, Brock Lesnar, le F5 sur Brock My Name. Monster Monday Night. Oh, attention, le DDT sur Goldberg. Et ça fait de 1 en moins. On a 1 en moins. Et tiens, non, prends-toi ça. Brock Lesnar qui a éliminé 1. Et de 1, j'ai pas envie de combattre Monsieur Brock Lesnar, j'ai envie de faire... Tu vas me laisser? Non. Mais tu vas me laisser? Tu veux me laisser... Ouh! Ouh, le coup de boule. Allez, bien. Hop, aïe! Viens, on part là. C'est toi que je voulais combattre. On est déjà en jaune, c'est déjà un très mauvais signe. Allez hop, on y prend, voilà, hop, il nous esquive. Mais c'est bon le Big Show là, tu veux pas me laisser tranquille là? Oh putain. Oh, on s'est fait mal par le Big Show là. Oh, Brock Lesnar qui fait mal là. Big Show. Et on part là, allez viens là. Hop, non, Brock Lesnar, j'ai pas envie de t'avoir sur mes basques pour le moment. Allez hop, oh, The Rock. Tiens, coup de pied dans la gueule. Oh. D'accord, je vais prendre Brock Lesnar, The Rock. On va les laisser combattre un petit peu. Ouh, il est déjà en rouge. Oh, attention, Big Show fait son finish. Et Brock Lesnar fait son finish et le F5 sur The Rock. Et le tombé aussi. Allez, Orlettner, réveille-toi. 1, 2 et 3. Tiens, on va prendre Kevin Nash. Tiens, non, Kevin Nash qui me... Ok. Hop. On va garder le Jackhammer pour le moment. Tiens, voilà. Et non, il veut... Ok. Tu veux vraiment m'emmerder comme ça, Big Show? Ok. Tiens. Hop, une prise en arrière. Et il est toujours pas en jaune. Il y a encore Brock Lesnar qui n'a rien eu encore. Hop, voilà, et une prise en arrière. Brock Lesnar en train de tout détruire, tout le monde, de Beast, de Conqueror, de He Comes the Pain dans ce jeu, et He Comes the Beast aujourd'hui. Donc, il est en train de... Ah, Kevin Nash qui est en train de le faire mal, c'est déjà pas mal. Hop, tiens, on
toi ça. Ouh, il esquive. Tiens, moi j'esquive aussi. Et hop, prends toi ça. Non, il veut esquiver. Non, 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 non. Oh, on est déjà en orange, c'est déjà pas bon. C'est déjà pas bon signe. Oh, oh, tiens. On a encore Brock Lesnar à battre, donc ça va risque d'être très très dur. Hein. Allez hop, tiens. Et il esquive. Aïe. Non, 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 non. Tiens, merci. Tiens, et le spear de Goldberg sur Big Show. Tiens, hop, on lui fait mal. Et il esquive encore. Ouh, ça fait mal. Allez, on part là. Hop, on lui fait mal. Ah, encore ! Mais arrête d'esquiver comme ça, on est déjà en rouge, putain. On est en rouge, les gars. On est vraiment très très mal, hein. Ok, boum, merci. On est vraiment pas bien du tout. Faut qu'on élimine assez vite les personnes. Ok. Ouh, Kevin Nash qui va faire sa prise finale. Et nous aussi, on va faire le jackhammer. Ouh, Brock Lesnar qui est en jaune, c'est déjà bien. Il est vraiment en jaune là. Et vas-y, le jackhammer. Jackhammer en position. Jackhammer en position. Et il a éliminé Brock Lesnar. Moi, j'élimine le Big Show. Et non, pas d'élimination pour le Big Show. Si tu veux faire le tomber, hein, Kevin Nash, fais-toi plaisir. Et 3. Voilà, merci. Et on repart là. Et on va te faire le jackhammer en position. Jackhammer, en plus, Kevin Nash est en rouge. On a de la chance qu'il a fait le tomber. Allez, le jackhammer, deuxième fois, jackhammer. Bien joué. Allez, 1, 2... et 3, on a gagné ce match. Et on a gagné ce match. On a gagné la bataille royale. Ou Kevin Nash. Ou Kevin Nash. Ouh, il n'est pas content, Kevin Nash. Oh oh, Earl Lesnar. Earl Lesnar. Non, Earl Lesnar. Il n'a rien fait, Earl Lesnar. Earl Lesnar. S'est fait maltraiter par Kevin Nash. Oh, le méchant Kevin Nash. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. La suite au prochain numéro.